Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle deck tech en historique, Rakdos Pyromancer. C'est un deck d'américain, voilà, c'est pour ça que je prends l'accent. C'est un petit peu le deck que vous avez vu dans la vidéo précédente qu'on a affronté, mais sans le splash vert, la version vraiment Rakdos all-in. On a trouvé la decklist sur le tournoi Ouglandia de Jeff Ougland. C'est une des decklists qui a fait top 8. La liste a l'air très très rigolote, très très difficile merde, à jouer aussi. Et voilà, on va tester ça en ladder avec vous, mais avant ça. Oh, avant ça. L'instant promo. L'instant promo. Pou, 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 pou. Si vous voulez nous soutenir, code Valépiel 2020 sur boutique Magic Bazar, notre sponsor. Bazan. Notre sponsor, merci beaucoup à eux. Ils vous donnent 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande. 1€ égale 1 point, 150 points, 5€ de bon d'achat. Donc vous atteignez plus rapidement le bon d'achat de 5€ à valoir sur toute la boutique. Ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé et qui l'utiliseront. Et code créateur Magic Arena FR sur la boutique Epic Game Store. Merci beaucoup. Oh, je l'ai fait concis cette fois-ci. Oh putain, c'était régalade. Et t'as pas lu un texte. Hein. Et d'ailleurs. Je vous le dis parce que moi j'ai été ravi de l'apprendre. Dis donc. Il y a re de la dispo sur les produits Double Masters. D'accord, ça y est, qui était un petit peu donc, en rupture. À un moment où, où j'en ai eu, je me suis dit, oh, j'avais bien en avoir d'autres. Et il n'y en avait plus. Au moment où j'ai regardé, en tout cas, hein, peut-être je suis juste mal tombé. Okay. Mais là j'ai regardé et il y en avait d'autres. Donc voilà, ceux qui, si jamais, se disaient où en trouver, parce que je sais que les supplies et la demande c'était un peu complexe, ben voilà, sachez qu'il y en a encore. Donc il y a du réassort. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette decklist? Le but, c'est de jouer des trucs qui coûtent pas cher, déjà. Donc on voit, ça coûte 1, ça coûte 2. Ouais. Ça, ça coûte pas 3, ça coûte, hop, 1 ou 2. Ça coûte 1. Donc c'est gratos. On a l'Urus, qui permet du coup de rejouer les trucs du cimetière. On a les trucs qui trigger avec le cimetière, comme le réceptacle de l'archifielleux, qui devient une 5-5 si on le joue du cimetière. Et ça, c'est pas mal. On a l'Arcaniste, qui trigger avec les cartes qui sont au cimetière, qui permettent de rejouer les sorts. Et ça, c'est pas mal aussi. Exactement. On a Croxa, qui va au cimetière et qui peut se jouer du cimetière. Régalade. On a Prêtresse pour envoyer des cartes au cimetière, comme l'approvisionneuse qui fait plaisir, puisque du coup elle meule le 3 quand elle est envoyée au cimetière, ou l'archifielleux, puisqu'il a besoin d'être au cimetière pour faire les trucs. On a le Rite du Village pour sacrifier des cartes et piocher. Notamment les tokens de notre pyromancien. Notamment les tokens du pyromancien, du coup, qui vont en faire beaucoup, parce qu'on a beaucoup de petits spells. Sans des innocents qui va faire sacrifier des créatures, et nous, bah, on est content de les sacrifier, ou bien on a de la bouffe à sacrifier. Droit au premier nez qui vole des bêtes, et on peut les sacrifier avec sans des innocents. Ou Rite du Village, ou Prêtresse, donc vraiment c'est méchant méchant, saisi pour la disruption bien entendu. Et Ambition Gloire qui fait très plaisir, Ambition qui réanime n'importe quoi de notre deck pour un cadeau, et Gloire qui permet de donner plus 2 plus 0 et célérité, c'est très fort quand vous faites sur un Arcaniste, puisque du coup vous allez pouvoir attaquer tout de suite avec, faire des points de dégâts, et en plus recaster un spell du cimetière, potentiellement, est-ce qu'il y en a dans le side? Alors, il y en a dans le side. Caster des spells du side. Enfin du cimetière parmi ceux qui sont dans le side grâce à Gloire, et ça peut aussi donner la célérité à une prêtresse pour faire tout de suite son effet, un démon. C'est un deck qui est plein de boui-boui, qui est très tricky, où t'as des phases où tu fais draw au premier nez sur la bête de ton adversaire, je vais faire une prêtresse qui sacrifie la bête de mon adversaire, du coup ça me donne du mana noir, je vais faire ambition sur le réceptacle de l'archifielleux, j'ai mis un 5-5. Voilà, vous avez plein de séquences et en même temps j'avais un jeune pyromancien, donc du coup j'ai plein de tokens qui sont arrivés sur le champ de bataille. C'est très très tricky à jouer, il y a beaucoup d'effets. On va essayer de pas faire trop de merde dans la vidéo, mais vous me savez, quand on parle, quand on rigole, quand on discute, on a du mal à bien jouer les decks, et surtout ces decks là. Ça c'est des clés, c'est compliqué. On va essayer de faire de la belle magie. Moi je, par contre je mettrai que 3 réceptacles, je pense qu'il faut peut-être pas aller all-in, et je mettrai quand même un petit 110 innocents en plus, tu vois. Réceptacle ça? Ouais. Et un petit 110 innocents en plus. Ouais. Ah, franchement, sachant qu'à la base la carte n'était pas présente dans la DL. Genre, oui, c'est vraiment très très fort. C'est une 5-5 qui arrive tour 2, hein, potentiellement. Ouais, mais il faut la faire revenir sur le champ de bataille. Et on a que 3 effets qui la font revenir. Si tu comptes pas l'Urus, c'est ambition. Donc ça paraît bizarre d'en avoir plus que des ambitions. Mmh, oui, mais en même temps, tu augmentes tes chances de la meuler avec Approvisionniste, du coup. Non. À la base, il y en avait app. Hein. Moi, je préférerais avoir 100 des innocents et droit au premier nez. Ça a l'air quand même vraiment très très méchant dans la liste. Parce qu'il y a des match-ups, ça fait rien. Hein, 100 des innocents et droit au premier nez. Alors qu'une 5-5, ça tuera toujours. Ça va être difficile de faire rien avec ça. Ok, donc tu préfères 4 et 3? Ouais, franchement, ouais. Allez, faisons 4 et 3, comme ça on saura pourquoi on perd. Exactement. Vous pourrez le dire dans les commentaires, mais c'est le split de Val qui vous a mis dedans. La réserve, veux-tu en parler brièvement? Très succinctement. 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 Ah là, plus 10 secondes. Non, non, tu pars à partir de maintenant les 10 maintenant. Secondes. Les 4 contraintes, c'est pour les match-up contrôle, la grippe à la poussière pour gérer les bureaux et les cartes dans le cimetière. Le tir double, c'est pour le miroir pour pouvoir tuer tous les drops, toutes les cartes qui ont 1 en endurance. La prêtresse pour les jeux créatures, fissuration parce que c'est un anti-bête et ça pète les artefacts. Croxa pour grinder les méchants deck contrôle, vengeance de l'omouteuse contre gobelin. Je pense que t'es genre sur du 14-15.
Non, je verrai au montage. Je crois que je suis sur 10 secondes, moi. Ah ouais? Je crois que je suis sur 10 secondes si tu fais bien 1. Mais de toute façon, au montage, j'ai le temps qui défile. Donc non, je non, vais voir. Je te parle de mes 10 secondes. Ah, tes 10 secondes. Ouais, les 10 secondes de Val, 10 secondes de Marseille. C'est des secondes à rallonger. Elles sont très longues. Les journées sont longues à Marseille, vous n'imaginez pas. Et les gens peuvent savoir en plus si j'ai fait 10 secondes. Oui, en plus, vous le voyez. Allez, go, c'est parti. C'est parti, là. On va se faire rosser. Je vous le dis, on va se faire rosser dans celle-là. C'est sûr. Voilà. J'ai dit à Val tout à l'heure, quand on se demandait quel deck on jouait, quand on faisait en vidéo, je lui ai dit ça. Le but, c'est de gagner un combat d'épée avec un canif. Complètement. Mais il faut juste être filou. J'ai testé ce deck en stream et j'étais pas du tout concentré, je parlais avec le chat et tout, et j'ai fait, je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas fait autant n'importe quoi. J'ai tellement fait n'importe quoi que d'habitude quand je fais n'importe quoi ça me fait rire, là j'étais mal à l'aise. Ouais, j'ai vu à la fin. C'était vraiment très compliqué. Après, tu t'es même mis en retard dans ce stream. Je me suis mis en retard dans ce stream en plus, ouais. Mais c'est un deck qui récompense la pratique. Si vous aimez ce deck-là et que vous le jouez bien, je pense que vous pouvez quand même avoir un bon win rate avec. J'ai mis le démon Herp. Moi, je joue en premier. Alors, notre main nous permet de caster. Ah, allez, rien. Viens, tu fais Arcanis tour 2. Je fais Arcanis, mais je fais. Non, mais tu feras, je double, tu feras double saisie le tour 3. En fait, là, tu fais tour Phyrexian tap, ensuite Arcaniste, et au tour 3, tu feras double saisie avec ton Arcanis qui attaque. T'es sûr? Ah, bah, moi, je la garde cette main. Ok. C'est pas de la merde. Non. C'est pas tap, hein, ça. Ah putain, mais ça fait pas de mana noir. Mais non. Ah, mais je te dis, on fait saisie dans Arcaniste et tu me dis oui. Eh ben, je pensais qu'en fait, tu voulais qu'on sacrifie Arcaniste pour faire l'aide de saisie. Ah non. Je t'ai dit, là, on peut rien caster de noir. Non. Je t'ai dit texto cette phrase. Ah ouais, non, j'ai pas compris. Pour moi, tour Phyrexian, ça faisait quand même du noir. On va piocher. On va piocher un mana noir et tout va bien se passer. Parce qu'en gros, c'était ça l'idée, quoi. Oh. Bon, ça va, on est payé. Pour l'instant, ça va. Ouais, mon but c'est de faire Arcaniste et après de faire saisie. J'attaque avec Arcaniste, saisie, tu vois. D'accord. Et du coup, non, ça va pas être possible, quoi. Ah, acte cruel, c'est bien ça. Bah, Arcaniste, let's go. Fuck. Miscompréhension. Fuck. Oui, ça me semble audacieux de ta part. Bah, ouais, je garde pas si on a pas de mana noir, effectivement. Après là, tu vois, je peux sacrifier Arcaniste, double saisie. Hein. Ouais, mais c'est pas très bien. Je trouve sa main. Ah. Bah là tu vas lui trouver nature. Voilà. Allez, fais voir ta mimine. Toi. Ok, d'ailleurs lui il joue pas Field of the Dead. Il joue vraiment un deck. Mais non, on a joué comme des chancres. Pourquoi? Il faut jouer ça, le sacrifier pour faire saisie. De quoi? Attends. On a fait le pire play. Pourquoi? Parce qu'avec un mana noir je fais ça. Avec ça je le sacrifie au cimetière. J'ai deux mana noirs, je fais saisie, ambition, je le ramène, j'ai une 5-5. Et bon, on le fera le tour d'après, c'est pas grave. Fuck! Fuck, voilà, ça commence. Vous voyez, il y a déjà plein de choix. Ah bah, limon, ça dégage. Hein. On met pas au gros au cimetière. Limon. J'aime bien ce qu'il a. Eh ben, écoute, attaque et tu refais saisie. Hein. Je peux faire gloire, là. Ça sert à rien, je pense. Ouais. Tu veux le faire juste histoire de jouer la carte pour mettre plus de points? Non, on peut la garder pour plus tard. Ouais, tu peux la garder pour plus tard. Mais effectivement, ouais, ta ligne était meilleure, ouais. Là, il a pas de land. Je crois qu'il faut enlever croupissement du coup. Ouais, ça tuera pas notre 5-5. Ah non, mais ça tuera tout notre board donc. Ouais. J'ai quand même pas des matchs chauds. Et fin de tour. Et tour d'après, on fait le bon play que t'as initié. Hop, tu vas chercher un land. Ah super, du coup, on se prend rien. Ah, mais ce qu'on lui aurait mis. Mais gros, tu lui mets la même là. Ah, je peux peut-être même gloire en plus. Oh non. Ok, vas-y, château de Loctwain qui va arriver tap. Tu peux... Non, tu peux plus faire ton play maintenant. Non. Par contre, tu peux quand même double saisie. Et c'est genre pas mal, quoi. Ouais. Je fais ça quand même, du coup. Bah non, tu pourras pas. Ah oui, tu veux le mettre directement au cimetière. Ça, je le mets au cimetière. Ouais, vas-y, comme ça, avec le russe, on fait revenir tour après. Non, en vrai, je crois que double saisie, c'est juste mieux. Mais tu peux faire les deux. Si tu veux d'abord le mettre au cimetière. Après, je peux faire Eh non, je dois prendre l'Urus, puis. Oui, faire mais t'as quand même avancé ton réceptacle. Ouais. Que ça vaut le coup quand même, je pense. Ou sinon, je fais ça. Et je lui donne plus 2, plus 1. Et je peux recaster rien. Ouais, non, c'est pas bien. Ou deux mana noirs en sacrifiant ça. Ouais. L'important, c'est que t'aies vu la ligne le tour d'avant, même si on l'a pas fait. Jolrael, ça peut bloquer. Pour l'instant, il peut toujours pas caster ça. Ah, on enlève lui Jolrael et. Ou ça.
Ça, s'il trouve un land, il pioche une carte, il met un accélérateur. Enfin, dans tous les cas, on s'en cague un peu, non? Ah, je crois pas. Hein. Jolrael, si on la gère pas, c'est l'enfer. Derrière, il a que des cartes. Ah, de toute façon, on va lui enlever deux cartes. M'en fous. Ouais. Et là, je peux faire plus 2, plus 0. Ouais, par là, contre. Ça, c'est gratuit. Hop là. Ah, tu peux ambition. Est-ce qu'on préfère lui cutter ça et lui disrupte sa main de ouf? Ou avoir un 5-5? Ou avoir un 5-5. Je préfère un 5-5. Ouais, je crois que je préfère un 5-5. Ambition. Je ne comprenais pas ce que ça me demandait. Easy. Oh. Pas mal, hein. Oh, je pensais pas que tu pouvais... Non, non, si c'est une double carte, tu peux. Bah ouais, non, c'est, ça marche bien. Après, quand l'oppo joue pas de land, je découvre. C'est bien. Oui, après il fait juste une méga death là. Mais... Ouais. Après, genre comme le méga disrupt. Comme le vieux groupe. Ah, bah ouais, là, on va encore le saisir. On va le saisir, le mec, quoi. À cœur. Ah, j'y vais là. Oh, vas-y. Et on va lui enlever son Teferi, je pense. Ouais, c'est le plus chiant là. Ouais, son Teferi. Après, là. On s'en fout, dans tous les cas, il a un accélérateur à 3. Ouais, ouais. Ce qu'il faut, c'est continuer à lui mettre les points et s'il passe son tour à faire Uro, ça ira quoi. Je crois que je préfère faire ça. Non, parce que t'as rien à rejouer du cimetière. Tu préfères récupérer un Lurus maintenant dans ta main? Ouais, je peux draw aussi. Oh, je vais prendre Lurus souvent, il est dans la main. Et là, il top deck saisi. Bah, il est mort. Ouais. C'est bizarre de jouer ça en historique, enfin, j'ai l'impression qu'il joue une liste de standard. Ouais, mais tu vois, Croquis aussi en jouait dans sa decklist, donc... Pourquoi pas? Bon, là, je sacrifie ça. Ouais, je trouve pas ça très bien. Non, mais tu peux... Je sacrifie l'arcaniste, à mon ouais, avis. Ouais, tu peux sacrifier l'arcaniste ici. Maintenant? Ouais. Parce que de toute façon, tu pourras le faire revenir avec ton Lurus, donc... Donc feu, hein. Et là, ouais, j'attaquerai pas avec. Gagné sur... Ok, je vais faire 5 points déjà. Tu peux faire 5 points et derrière tu peux faire jeune pyromancien passe, jeune pyromancien arcaniste passe. Et derrière t'as Lurus pour refaire des dingueries le tour d'après. Là, jeune pyromancien. Tout, faut juste qu'il ait pas de Vras quoi, ça serait dramatique. Mais si c'est ouais, Languish, ça passe. Si c'est Languish, il est mort, ouais. Et si c'est Extinction, par contre, c'est l'enfer. Et bah, il a ni autre. GG. Alors, contre le monsieur, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Il a l'air de jouer beaucoup de créatures, donc je suis pas sûr que ouais. Contrainte soit bien. Ouais, ouais. Par contre, la quatrième prêtresse, ça a l'air bien. C'est ça, Croxa aussi. Croxa aussi. Et agrippé à la poussière, et c'est tout. Agrippé à la poussière parce qu'il joue des gros. C'est ça. Qu'est-ce qui est moins fort? Draw premier nez, c'est fort. C'est compliqué, là. Mais là, la liste en visuel, moi j'ai du mal à sider comme ça. Bah le problème c'est que toutes nos créatures sont fortes. Peut-être que sans des innocents on peut en coter un. Ouais, vas-y. Et je sais que dans les miroirs de midrange Golgari, tu décides tes saisies dépensées parce que tu veux que des plays impactants. Et là c'est pas un miroir de midrange Golgari, nous on est une espèce de deck boui-boui, tu vois. Ouais, je pense qu'il faut garder nos saisies. Surtout quand on a fait full disrupt, on lui a tout enlevé de sa main. Ouais. Bah, du coup, peut-être qu'on veut juste que 3 Croxa et 3 prêtresses. Hein. Ouais, je suis en train de me dire en fait, peut-être qu'on rentre pas ça et ça. Ça me choque pas d'être pré-sidé contre ce genre de deck là en vrai. Du coup, on a rentré Agrippa à la poussière, c'est tout. Alors attends, non. On n'a pas rentré autre chose. Non, on a rentré que ça contre un sang des innocents. Ok, bah vas-y, go. Ah ouais. Ah ouais. En vrai, ouais, c'est vrai que quand tu regardes les. En vrai, c'est vrai. Il faut que j'arrête de parler comme un con. Quand tu regardes le side, tu te dis bah. Il y a des cartes intéressantes, mais il y a tout main deck déjà. Je pense que t'es juste un peu pressidé contre lui, donc c'est ok. Ça manque de spell, mais c'est dur de dire non à ça. Ouais, on n'a pas de disrupt ni rien. Je pense qu'on va garder au cas où. Ouais, c'est quand même difficile de dire non. N'empêche, avec une main pas bonne, on l'a saucé. Ouais, et ça aurait pu être plus méchant encore. Après, il a death à deux landes pendant deux tours. Plutôt du noir, je crois. Pas oublier ça, il n'y a pas d'upgrade. Non, c'est pareil. Ça changera rien. Il n'y a pas de double noir? Oh non. Bon, en tout coûte un. Si, il y a Lurus qui est double noir. Ouais, mais t'as le temps. Sommet pyromancien plutôt. Ouais. Par contre, si on fait une full, si ouais, on joue que 22 tu vois, là, ou 23 landes. Cette game là, c'est celle qu'on est capable de pas gagner. Ouais. Bah, on a besoin de plein de petits plays, comme Polo.
Mais. Ouais, Limon tour 2 en plus, tour 3 là, qui est actif de suite. Ça va être pas facile. Eh ouais, jeune pyromancien encore, avec ça. Ouais. On peut trouver de la gestion après. Peut-être que t'as raison, on aurait dû la mulligan cette main en vrai. Ouais, t'es pas très bien. Après, on fait. Surtout quand tu commences pas, t'as peut-être le droit de la mulligan et de chercher mieux. On trouve 2 landes sur 3 cartes donc. Ouais. Ça n'aide pas. On joue que 23 landes, franchement. 22 même. 22, on a cut. Bah. Ah bon, pas de chance. Voilà, il fait de la disruption, il gagne des PV, nos sauces. Oh, j'aurais peut-être ouais, si tu bloques des clés ambition, t'étais. Ouais. T'étais content. Ok, bon, on va attaquer. Tu peux prendre l'Urus en main. Ouais, ce que je vais faire. Après, il a de la discard. Hein. Ah donc, ouais, mais bon, de toute façon, tu feras jamais. Je prends l'Urus, ouais, je joue l'Urus. Et... S'il a sa discard, on passe juste à la prochaine et puis ça ira très bien. Nissa. Quand il a un plan de jeu qui est. Genre, qui doit gagner difficilement contre Field of the Dead en fait. Juste de jouer le deck de standard en historique, ça ouais. Marche pas quoi. Ouais, je pense que. Il est très loin en historique. Ouais, je le bloque là. Ouais. Il va pouvoir quand même l'exiler, mais il est obligé d'engager son tombeau luxuriant. Mm. Ouais, vas-y, concède. Ouais, bon. Ça va pas du tout. Bah ouais, 4 landes. Ouais, on va piocher un peu 3. Mieux. Ouais, non, je pense qu'il faut juste mieux piocher. Ouais. Non, on aurait du mulligan de la main. On mais... aurait du mulligan de la main. En fait, c'est très synergique comme deck. T'as besoin d'assembler plusieurs cartes pour faire des dingueries. La main était ok sur un spell. Vas-y, un spell, ça faisait des trucs. Ça, c'est une bonne main, mais qui manque de mana. Il manque un mana, mais on a fait une full, donc c'est-à-dire qu'on va faire une death. On commence. Donc, Allez, ça, c'est bien. Très très bien. On va enlever une ambition. Ah si, c'est bon. T'enlèves. Tac, 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 on enlève une ambition. Ouais. Ah, il faudrait trouver un mana noir dégagé là, ce serait parfait. J'envoie une approvisionneuse ici. Hein. Non, réceptacle, je pense. Pour pouvoir faire Village Rite. Ouais. Ah ouais. Si tu trouves mana noir, tu fais Village Rite, c'est ambition. C'est la 5-5, ouais. Tour 2, 5-5, t'as draw 2. Bon jeu. Bon jeu, bon goût. Saisi. Ah, bon, bah on fera pas le play. Je crois qu'il va nous enlever Rite. Ah non, il nous enlève ambition, tiens. Bah, on peut, on peut trouver mana noir ambition là. Ouais, vas-y, tente. Mais un point quand même. Non. Oui, c'est vrai. Franchement, on trouve mana noir ambition, je bend. Ça me ferait bien marrer. Ce serait pas mal. Oh, j'y ai cru. Oh, on était pas loin alors. Par maison 1. Hein. Ou approvisionneuse. Putain, j'ai envie d'aller chercher un peu du. Un peu du follow quoi. Approvisionneuse et 2 landes. Pas beaucoup de follow. Ah voilà, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait, ça va nous permettre de rejouer les réceptacles. Un point? Non, on peut pas rejouer les réceptacles. Bah, enfin si, en buffant avec gloire, pardon. Ouais, un point. Mais non, ça coûte que... Ah si, c'est un drop 3. Non mais en fait, tu peux pas réanimer des bêtes avec Arcaniste. Faut que tu castes un spell, et du coup tu fais gloire non, mais le sur lui avant. Mais non, c'est pas possible, parce que si tu utilises gloire, elle est plus au cimetière. Mais moi ce que je voulais, c'était rejouer ambition à 1, mais non, la carte elle coûte 3. Et ouais, non, ouais. Dommage. Il t'en faut 2 pour faire ça. Attends, faut que je paye mieux. Ouais, fait montagne, arcaniste. Et c'est un instant sans désignation. Non, non, non. C'est un rituel. Ouais, c'est un peu fort quand même. Complet. On va prendre réprobe. Moi je garde, il y a Village Ride gros qu'on a envie de jouer sur ouais, ça. Ouais, tu la mets au-dessus. Hein. Et tu fais réceptacle. Il y a 14, hein. Ah, 14. Pourtant, j'ai l'impression qu'on fait rien. Si ouais. Il s'est mis des points tout seul. Il se frappe comme ça. Ouais, ouais c'est pas ouf ce qu'il propose. Pareil, sauce. Hein. Ouais, vas-y. On peut rien faire en flash, là. Ouais, il peut faire des trucs, mais ça m'étonnerait qu'il les joue. On prend pas réprobation, parce qu'on peut payer les 1. Parfait. Il va refaire... Ah, là, si on prend Vras, par contre... Ouf. Ok. Oh putain. Toi t'as fait tomber le démong. Non c'est le... Ah ouais c'est moi tu penses. Ouf. Ah ouais c'est toi. Ah c'est moi. Parce que genre il a continué de vibrer pendant longtemps. Ah ça va, nickel. Bon là on va pouvoir commencer à piocher des cartes, mettre réceptacle au cimetière, trouver des trucs ouais, quoi. Qui trouve l'an engagé c'est super. Ouais.
je m'en cague. On s'en fout, loulou. Alors, attends. On a déjà un réceptacle, donc est-ce que c'est pas plutôt ça qu'on va sacrifier, là, sur le village, right? Refais-moi le cimetière, s'il te plaît. Je pense que, ouais, c'est approvisionneuse. Effectivement. Effectivement. Tac avec tout. Trigger. Prix du village. Faut cliquer dessus, ouais. Approvisionneuse. Ça grippe à la poussière. Super. Enfin, ça sera bien si jamais on veut gérer son euro à un moment. C'est dommage que je puisse pas le faire maintenant. Putain, on trouvait un land et c'était bon, quoi. Ouais. Un Croxa, non ? Ou prêtresse ? Une prêtresse, comme ça, s'il fait que euro, il est un peu dans la merde. Ouais, vas-y, prêtresse. Il peut refaire euro, c'est un peu problématique. Et il va faire euro, c'est bon. Bah, s'il fait que euro et qu'il a pas forcément d'autres manas, c'est pas. Il va avoir 2, voire 3 manas s'il en a. Ah oui, mana. Putain. Donc, s'il arrive à faire euro, je tue prêtresse, je t'avoue qu'on n'est pas très bien. Après, on a droit au promené qui nous met. Mais d'où ? Sur un land, ça va, parce que tu fais prêtresse gloire. Ouais. Je sacrifie 2 bêtes, tu sacrifies euro. C'est ça. Bah, c'est un peu fatigué, hein, mais ouais. Ça passe. Bon, on n'est pas si mal. Hein. Je crois que je vais faire Croxa, je te fais sacrifier une carte. Ouais. Dans la pile, je sacrifie. En full contrôle, je crois. Mais je fais pas d'abord une saisie. Si tu fais saisie qui répond par je suis prêtresse, t'es très déçu. Et ouais, mais c'est le problème, c'est que dans tous les cas, là, si je fais Croxa et que je prends Gust, c'est le même combat. Bah, pas forcément, parce qu'il peut peut-être pas venir voir le play, tu vois. Saisie, tu lui dis tout de suite, je vais regarder ta main, je vais enlever une carte. Ok. Je l'entendrai d'abord Croxa, moi. Ok. Je mets auto. Ok, c'est bon, donc on pourra répondre. Je peux t'enlever le contrôle total normalement. Confirm. Ça, réceptacle. Parfait. Et là en plus, on a ça qui va pouvoir rejouer des trucs. Genre la saisie qu'on va jouer en fait. Sacrifie Ouro. Ok. Discard Nissa. Là, je fais saisie dépensée pour qu'on puisse la rejouer. Oui, vas-y. Ça fait des trucs de fou. On a des tours de fou avec ce deck-là. Dès que tu débloques de la mana un peu. Nissa, du coup. Parce que réprobation, on s'en cague. Par contre, là, si tu joues Gloire, il peut réprobation. Non, mais je pense qu'on peut juste Village Right sur notre prêtresse. Ouais, et attaquer avec Arcanis pour refaire saisie. Quoi qu'on n'est pas obligé de Village Right la prêtresse, on peut juste attaquer et refaire saisie. Hein. Sinon, tu peux faire Gloire. S'il le contre, bah, juste il y a Sensor qui est passé. Et tu fais lui discard l'autre. Ça vaut le coup ? Ouais, je pense, c'est pas mal. C'est un peu gâché, c'est non ? C'est nul où tu. Je crois qu'on peut juste la passer autour en fait. Là, on attaque juste, je pense. Ok. Ah, tu peux caster agripper la poussière. Point. Ouais, mais est-ce que c'est mieux Euro ? Ah, bah tu lui enlèves Euro. Ah, mais Euro, il le rejoue pas là. Hein. Coûte 3. Bah, il peut recycler le truc pour 1. Il a 4 au cimetière. Ouais, bah ok, vas-y, je suis chaud. Je pense que c'est mieux que saisie, puisque là. Je suis d'accord. C'est vrai que ça met en sens. Incroyable. Pas. T'as raison. Euro, ça dégage. Ah, t'as raison. Complet en fait. Parce qu'en plus, sur sa main, on était obligé de prendre Sensor. Sinon, il pouvait recycler pour trouver autre chose. On est pas mal, après, on manque un peu de mana, quoi. Ouais, après, il a une main qui est vide, hein. Franchement. Ouais. Enfin, là, il recycle, mais. Ah, il peut commencer à trouver des crasis et tout, à falloir qu'on trouve des draws promenés pour finir cette game. Faut qu'il trouve des trucs. Ouais. Nous, on a un board. Il trouve des courroux, c'est quand même bien trouvé. C'est quand même plutôt bien trouvé, ouais. S'il trouve un land et qu'il le joue... Il a plus de draws promenés, quoi. Enfin, plus assez. Et il trouve un land en plus, hein. Ouais, il y avait des trucs à faire. Là, il va nous enlever notre village right, mais on pourra le rejouer. Donc pas sûr, c'est un instant. Hein, donc, si tu veux le caster maintenant. Ouais, mais ça vaut pas le coup. Ouais, tu lui donnes plus de choix, donc non. Je crois pas. Fais ce que tu veux, mec. On peut caster Croxa en plus, là, si on trouve un land. Mmh. Toujours pas, mais on a ambition. Ah. Oh, bah attends, bah tu fais ambition gloire. Il a qu'un mana. Je mets une 5-5 haste. C'est pas mal. Ouais, je crois que c'est bien, hein.
Bon, déjà, on va commencer par ambition. Mm. On va pas s'emmerder. Réceptacle. Sur, réceptacle, ouais. On peut pas le tuer. On lui mettrait 7, 8, 9 en sacrifiant 11. Non, on le tue pas. Non, tu peux pas mettre un point et. Ah oui, mais j'attaque pas avec celui-là, ouais. Ouais, donc on met 10, quoi. Bah, franchement, juste attaque avec Arcaniste et trucs et tu lui fais saisie sur sa dernière carte. Ouais. Soit 5-5. C'est pareil, je peux faire là-dessus. Non, pour non, avoir elle a pas sévérité. Elle a pas sévérité. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, pardon. J'attaque pas à la prêtresse, par contre. Non, on garde au cas où il développe quelque chose ou quoi. Et là, tu fais saisie pour sa dernière carte. Oh, si, on a 22. C'est gratuit. Hein. Ouh bah, très bien ça, ça dégage. Quoique ça tue pas l'arcaniste. Ouais. J'ai peur parce qu'on prend quand même Uro le tour d'après, mais au moins on peut le gérer. Ouais, en vrai, avec 3 manas, on fait des belles choses. Je crois qu'Uro ça suffira pas ici. Faut pas qu'il ait Uro plus anti-bête. On peut le gérer et il est pas loin d'être mort en fait. Après, s'il fait Uro. Après, on a droit au promené dans ce putain de deck. Et ça, moi, à chaque fois que je joue Uro, je me prends droit au promené à chaque fois que j'en casse un. Ouais. Normalement, c'est la carte qui reste collée à la main. Tout le temps. C'est genre le mec là et elle bouge pas jusqu'à ce qu'il y ait une crasie son Uro. Donc ça me met un peu le dème quoi. Ah bah il est mort. Avec gloire, normalement il est mort. Gloire ouais. Plus 2 points. Passé. C'est bon. Pardon, c'est bon. Là tu fais prêtresse. Moi je fais d'abord gloire, 7 points. Non, il faut que tu fasses prêtresse d'abord. Pourquoi? Ah oui, non, ok, parce qu'en fait dans ma tête c'est prêtresse, tu sacrifies non, prêtresse je fais gloire, 7 points, je sacrifie mon board. Mais ouais, effectivement ça marche comme ça. Parce qu'il a, il est full tap de toute façon. C'était pour garder la 5-5, mais il sera mort. Donc on s'en fout. S'il est mort, ça devrait aller. On peut même attaquer pour rejouer. Non, on s'en fout. Non, parce que s'il mais bloque. Mais il savait qu'il était mort, pourquoi il a pas. Bah, aucun on le voit pas. Ouais, c'est vrai. C'est un deck tricky. C'est vrai. Ok, ouh. Lourd. Mais tu vois, quand t'as gagné une game, t'as la sensation d'avoir piloté, quoi. Ouais. Toi, et derrière, tu peux faire double full ou double death et perdre et tu fais merde. Mais t'as la sensation de t'être bien battu quand tu gagnes avec ce deck-là. Mmh. Une petite dernière? La game de 3, là. La game de 3, elle est directe. Mais très très cool comme deck. Désolé, il y a un hélico. Ouais, tu peux. Et encore, je suis persuadé qu'il y a des gens dans les commentaires qui ont vu des lignes que nous, on n'a pas vues. C'est-à-dire que déjà, ouais. On avait des lignes qui étaient quand même vraiment sympas. Mm. Et il y a moyen de faire encore pire, quoi. Comme sur la première game, la ligne que tu vois dès le début, où on aurait pu vraiment se mettre doux, quoi. Ouais. Si déjà on entendait l'hélico, sachez que tout est fermé. Donc c'est que vraiment, il est très près. Ah bah l'hélico, là, il est à ta fenêtre. T'ouvres la fenêtre, tu salues le pilote. Ça va? Tenez, une bière fraîche. Merci. Ça se passe comme ça aux États-Unis, non? Ah mais tous les matins, moi j'ai un mec qui vient me demander une beach. Une bière fraîche. Je dis, mais vous pouvez avec un... Enfin, vous êtes plus à l'écho. Il dit, je m'en fous. Putain, il rentre les pales parce que sinon les pales, elles font ça contre ton mur. Ouais, tout. Ouais, ça, en fait, il y a un... C'est un raboté, quoi. Un trait, tu sais, genre il y a un trou. Mais vraiment plat, parce que à chaque fois, il met ses pales au même endroit. Ah ouais, la pale, elle va tout le temps dans le... Ça dégage. C'est un gareur de pales, quoi. C'est un chanteur, ça? Ouais. Bon, on va le garder. Hein. Mmh, oui. He's ok. Ouais, c'est pas fifou. Je crois que t'enlèves une montagne. Ah ouais? Bah, t'as une main qui est mono-noir. Presque. Ok. Et tu sais pas contre quoi tu joues? Oh, zombie. Ah, bah lui, il sait contre quoi il joue déjà. Ah, oh, ouais, si enlève l'arcaniste, ça fait chier, quoi. On aura bien fait d'enlever la montagne, ouais. Surprise. J'aime bien ce paquet, je me vois pas jouer ça sur des tournois et tout pour grinder, je trouve que, entre guillemets, le win rate, que, enfin, il faut trop bien jouer pour que ça soit fort, je trouve. Ouais, alors là, tu vas juste faire 100 des innocents, je crois. 100 des innocents, alors je peux développer une prêtresse, ou alors même alors, juste un pyromancien. Le mieux, c'est pyromancien et tour d'après 100 des innocents, mais il sait que t'en as un, donc il te l'a donné à bouffer, là. Non, il sait pas qu'on a jeune pyromancien. Il sait que t'as 100 des innocents. Ah oui, mais bon. Du coup, est-ce qu'on doit répondre à son donnage de bouffée? Moi je mettrais quand même jeune pyromancien parce que soit il la tue, soit il met une autre bête. Dans tous les cas, il va en perdre rien. C'est ça. S'il met une autre bête qui en tue une, ouais. Qui tue jeune pyromancien, c'est trop taxant mentalement ces decks là pour bien les jouer. Enfin, quoique en fait, je pense que c'est des patterns. Une fois que tu les connais, ça va. Mais... En papier, ça doit être un peu plus simple, je trouve. Étrangement. Je peux faire sa proc au cast. Hein. Ouais, quand tu lances un sort. Ouais, je peux faire double sens des innocents. Vas-y. C'est quand même pas mal. Et il a plus rien. Ouais. Il a plus rien, Tintin. Vas-y, on le met à poil. Hein. Ouais, vas-y.
Bah, c'est super chiant, son éthérien doué en plus. Ouais. Il joue mono noir, aggro. Ouais. Non, et là, il se dit merde. Plus tu pratiques, en fait, c'est vrai que nous on a deux games dans les pattes alors que j'en ai 300 des versions ramp, donc j'ai l'impression de mieux jouer ramp que ça, mais. Qu'est-ce que tu peux réa là? Rien. Bah, si, je peux réa. C'est drop 2. Ah, ouais, je peux réa Canis. Mais peut-être qu'en fait. La haste pour. Ouais. Ouais, vas-y, fais-le. Je pense juste quand t'es habitué, c'est. Oh, et on fait saisie. Mec, il est incroyable ce deck. Ouais. Ah, il est vraiment incroyable. Ah, Lucanis, tu. Mec, il est juste trop d'art. D'art! Saisi. Non, je fais un sang des innocents. Vas-y, sacrifie. Oh, merde. Infurexian, Faucheur, Obliterateur. Alors, Obliterateur, il manque deux mana noires. Ouais, mais ça, on le bat pas. Hein. Alors que Faucheur, en vrai, on s'en cague, non? Si un jour il pose ouais, ça, on le bat juste up, quoi. Raison. Ah, parce qu'il suffit qu'il fasse Land Arène. Du coup, il a deux draws pour trouver Land. Ouais, voilà, Land Arène. Ouais, mais il est mort. Alors, il faire Faucheur, Arène là. contre nous? Bah, il a perdu. Ululu. Oh, t'as rien à réa. Ah mais de toute façon, s'il mettait Faucheur, on faisait sacrifier, donc il a raison. Ah oui, d'accord, non, je suis obligé de choisir. Et après, dire décliner. Ouais, pardon. Tu choisis, tu fais refuser. Et là, on a gagné. Et là, on est bien. Ouais, bien disais, en fait, si tu joues ces decks depuis longtemps, c'est pas si dur, en fait, quand tu connais les patterns. Mais moi, qui suis pas du tout familier... Je trouve qu'il faut connaître la méta pour savoir un peu les mains à mulligan ou à garder... Ouais. Savoir un peu ce qui va t'arriver parce que là l'historique est quand même assez nouveau avec Amonkhet et Jumpstart qui est pas si vieux. Du coup pas c'est si vieux. Ce genre de deck ça marche hein. Mais genre tu peux vraiment prendre un deck, tu sais pas ce que l'adversaire fait et du coup bah, t'en es à juste optimiser ton côté mais ouais. tu optimiseras pas tes réponses tu vois. Ouais peut-être. Je crois que saisie en mirror c'est pas, enfin en deck d'aggro c'est pas très bien. Sans des innocents par contre et c'est fort contre lui. En t'en as que t'es un. Tu penses que c'est si fort que ça? C'est après, genre on n'échange pas contre des Uro ou contre des Kradis, là on échange contre des petites bêtes. Hein. Ouais mais on peut, c'est lui qui commence tu vois. Donc si lui il met une bête, on peut faire 5 innocents bêtes tu vois. Donc, ouais mais c'est pour ça que j'en ai encore 3. Hein. Parce qu'après il faut faire de la place pour Fissuration qui sont des antibêtes ciblées tu vois. Et je cut de l'antibête pour de l'antibête quelque non, part. Non non j'avais pas vu Fissuration. Ouais. Et... Pardon. Il y a quoi d'autre après? Je crois que ça on veut pas. Il nous a montré 2 vampires. Ouais. Si tu veux mettre une vengeance de la goûteuse. Non, parce que je crois que ça suffit pas. Si t'as pas vraiment toutes les bêtes adverses qui sont du même truc, c'est pas très bien. Ok. Je mettrais peut-être une prêtresse de plus, moi. S'il commence, je sais pas. Ouais, si t'as la place, oui. Ouais, bah, de toute façon, je crois que ça, c'est pas très bien. Saisie dépensée, pareil, c'est pas très bien. Mais nous, vu qu'on a Arcaniste, on en veut quand même une petite quantité. Ça va? C'est bon, j'ai fini de mourir. Tu vois bien? Tu sais, c'est quand t'as une micro-poussière, tu la sens et elle fait. Je me dis au début, bon, ils toussent. Je continue à parler et tout. Mais au bout d'un là, moment, ça devient chiant. Non, mais, non, pas du tout. Je dis en mode, si peu, il s'étouffe vraiment. Et moi, je suis en train de raconter ma life, tu vois. Mais non, ça va. Okay. Je me concentrais, voir si j'allais encore tousser ou pas, mais c'est bon. On peut jamais avoir un marais hein, pour faire les bonnes sorties. Hein. Mais elle est bonne, cette main. Ouais, regarde, je pense. En fait, t'as plusieurs trucs et t'es pas trop sensible à saisie. Peut-être qu'il fallait décider de tous les crocs ça et qu'on n'est pas assez all-in. En fait, quand tu connais bien ton deck, après, t'enlèves tous les exemplaires d'une carte pour d'autres. Oh, parfait. Et mais nous là on le connaît pas assez pour être aussi mais je suis à peu près sûr que les Croxa bah, faut pas les garder. Après Croxa dans un deck enfin dans un matchup où le mec veut te faire peut-être discard, tu vois s'il a gardé ses saisies, c'est pas si mal Croxa. Ouais. Ça arrive plus vite. Voilà on a une bonne sortie hein. On va juste faire un Arcaniste. Tu mets un point d'abord? Ouais je pense. Il a pas de bête flash, à moins qu'il ait le parangon mais je trade easy avec. Arcaniste tu? On peut même passer par Croxa, mais je crois ouais, pas que ce serait bien. En vrai, là, si t'as rien à réanimer, t'as rien au cimetière. Hein. Pour l'instant. Fais voir ton cimetière. Ouais, je mettrais un Croxa, moi. Je mettrais un Croxa parce qu'on a déjà une ambition à ouais, réanimer. C'est sûr qu'il a... Un anti-bet 4 ans. Qu'il a un anti-bet 4 ans, donc... Ok. Coloque que ça. Suivant sa on main... On dirait que t'es là, tu lui donnes à bouffer, tiens, Croxa, mec. Allez, c'est un bon sandwich. Ah bah tu vois, il dit qu'il y a un anti-bet d'ailleurs. Anti-bet, hein. S'il a une main clafine anti-bet en mode ah ouais il va poser ouais, les trucs, au final c'est tué, pas mal. Si c'est... tu l'obliges à... Si c'est posé en tant que joueur contrôle, les Croxa vont lui faire du mal. Arcaniste qui se prend une discard, mais on a gloire. On a ambition, ambition pardon. Ouais, donc il est baisé quoi, c'est l'ambition ou l'arcaniste. On a ambition gloire d'ailleurs sur arcaniste. C'est très sympa comme deck, moi ça me sort de ma zone de confort, j'aime bien. Alors là tu peux faire... Oh
Oh, ça c'est top. Sommet. Attends. Oui, il vaut mieux faire sommet d'ailleurs, cela dit. Non, on peut pas faire sommet plus gloire. Il faut juste passer par arcaniste et attendre. Là déjà, je vais mettre un point. Non, si tu peux faire draw premier né sur ta. Ah, sur mon propre truc. Ouais, mais ça c'est gâché. Hein. Ah non, t'as rien. Hein, c'est vraiment gâché en plus. Ouais, non. Contre raison. Lui. Ouais, c'est un point là et, ouais. Et arcaniste juste. Après, il a plus de cartes en main. Nous, on a Croxa qui va revenir. Je crois qu'on est vachement bien dans cette game. Dès qu'on trouve un sang des innocents ou un village right, ah, il va falloir trouver un truc par contre. Ouais, dans le premier, ça le prend pas. Ah oh Ouf. Ton Phyrexian, tu vas sacrifier ton empoisonneuse pour voir. C'est vrai, t'as raison, ce qu'il va falloir faire. Il faut trouver un sang des innocents maintenant. Non, mais on peut faire un 5-5 fly. 5-5 fly, ça fait un truc. Ça fait un truc, c'est mieux que. Comment rien. Tu le fais d'ailleurs? En faisant gloire sur. Eh non, t'attaques, on perd 3. 3 permanents, sacrifie 3 permanents. Non, tu fais Croxa là, je pense. C'est dur, hein, c'est méchant ça en face. Ouais. Hein. Crypt, sommet. Et. L'autre Croxa, je pense. L'autre Croxa, ouais. C'est là où il nous faut les prêtresses et compagnie en fait. Discard sa dernière carte qui est un cri du Carnarium. Ouais, faut le laisser passer, on gagne la course. Ça me va en vrai, hein. C'est ok. Ah bah là il va juste attendre, en plus il est top dès que ça. Il a un château pour piocher. Marée. Après là on sacrifie 6 permanents, c'est ça? Ouais. Donc t'as plus rien. Et bien ce jeu qui garde que Croxa. Je vais juste prendre l'Urus et jouer un jeune Pyromancien. Prends l'Urus si tu veux, ouais. Jeune Pyromancien pour moi c'est vraiment le jeune entrepreneur, tu vois. De feu. De feu, ouais. Il entreprend bien, quoi. Je vais faire une petite card. Allez, trouve-nous notre prêtresse, là. Si t'arrives à trouver 2-3 spells, tu peux mettre du board et attaquer avec Croxa, du coup. Parce que t'auras plein de merde à sacrifier. Tu pourras sacrifier tes merdes, exactement. Ah bah là, il y a juste un bon bloqueur à Croxa. Nous, on a un 5-5 fly, maintenant. C'est bien. C'est très très bien. Allez, hop. Zou. Non mais après on a droit au premier né et dès qu'on a un... Enfin on va être très bien, dès qu'on trouve un moyen de faire sacrifier son board, on va le mettre trop mal quoi. Yep. Je peux lui donner la célérité maintenant. Ah oui vas-y. Hein. Ça vole pas le truc là. Ça va. Non l'autre. T'imagines? Contact de vie. Ah bah c'est un vampire hein. Ça pourrait avoir une petite aile de chauve-souris cachée sous les aisselles. Ça aurait été vraiment horrible quoi. En vrai ça va en fait, on s'en fout de cet oblitérateur. Il fait peur parce qu'on connaît la carte mais... Quand tu joues autour, ça passe. Mais en fait, juste avec cette carte, et il nous a mis dans une situation où on devait trouver des trucs très spécifiques. Il vient de me donner une cloque de 2 tours. En même temps, là, je crois que 2 ou 3 tours, il avait besoin de trouver des cartes. Hein. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas trop... C'est pas faux. Il n'y a pas trop misplay, là, pour le coup. On va prendre 2 points. Hein. Pas de problème. Et là, il avait le Brutal Death Touch. On est mort. Oh, le bloc oublié. Et il a bien trouvé. Ouais, mais ça suffit pas. Putain, quand est-ce que je peux gérer ça, là? Mais t'as gagné. Si j'attaque avec tout, je fais droit premier né sur ces 2 bêtes. Ah mais oui, putain, je suis con, et on a droit premier né. Ah non, on peut pas faire gloire en plus. C'est pas grave. Non, on s'en fout. Ça arrive quand? Attends, regarde le texte de l'oblitérateur, juste. Inflige des blessures. Non, les blessures sont infligées. Résolution des dégâts, ouais, donc c'est bon. Tu voles les 2. Ouais, c'est bon. De toute façon, au pire, pour la science. Pour la science. Tu pourras même booster le chevalier. Pour le Gondor. Et là il prend 3. Ouais, c'est bon. Ah, en fait il prend les 3 avec Croxa donc c'était marrant. Easy win. Oh c'est bien. Ouais, c'est en plus bien. On aurait sacrifié ses bêtes sur l'oblitérateur. Ouais c'est trop cool. Bah oui c'est vrai en fait c'est trop bien. Il est vraiment 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 bien Zach. Ouais. Il est mais très bien pensé. Ça s'est pas du tout passé comme ça quand tu l'as joué. Non bah je l'ai mal joué. Après attention je l'ai aussi pas très bien joué mais j'avais vraiment des séquences de merde et je tombais contre des mecs qui étaient assez véhéments. Donc voilà le fait que je joue mal le deck. Que en plus je le respecte pas parce que j'ai passé plus de temps à échanger avec le chat. Forcément c'était une accumulation de... Enfin vraiment j'ai fait une espèce d'infâme bouillie. J'ai pas rendu service au deck et là vraiment on lui aura un petit peu ses honneurs parce que c'est quand même... C'est un deck qui est bien pensé je trouve. Ouais. Ah, très très beau deck, très cool à jouer. Effectivement
C'est le genre de deck où ça pourrait te faire gagner contre tout, un peu comme Dune Citadel. Ouais, mais ça demande mais un petit peu. Mais tu peux aussi perdre contre tout parce que, enfin, à cause de toi, tu vois. Ce qui est aussi, même au-delà d'à cause de toi, ça reste un deck où tes cartes individuellement sont pas fortes et qui te demandent d'assembler plusieurs cartes. Alors que ça se dit à cause de toi. Ouais, par ta faute. Par ta faute, c'était mieux. En fait, au-delà du niveau de jeu, ça reste un deck, et c'est comme les Rakdos Sacrifice ou les Djun Sacrifice en standard, ça nécessite d'assembler plusieurs cartes qui ensemble, la somme de ces cartes donne une multiplication et non pas une addition. Par contre, individuellement, ces cartes-là sont très très faibles. Donc si ton adversaire il arrive à interagir avec ton plan de jeu, t'as en moyenne des cartes beaucoup plus faibles que tes adversaires. Ouais. Donc c'est, voilà, c'est la synergie contre la puissance brute. Là, on est vraiment en synergie et pas en puissance brute. Mais du coup, ça a quand même des défauts. Ouais, mais ça s'imbrique bien dans la méta. Genre, j'avais peur que justement ce soit un deck qui pâtisse un peu de nouveaux decks exotiques ou quoi. Mais en fait, on voit que ce qui nous embête surtout, c'est de la destruction. Mais ça va, il n'y en a pas assez en fait. Quand tu te prends même deux saisies, tu peux t'en sortir si tu as une bonne main de départ. Après, tu vas perdre contre les plans de jeu Field of the Dead où ils font Ramp Tour 1, Ramp Tour 3, Ramp Tour 5, Ugin. Tu peux rien faire contre c'est ça, sûr. Quoi. Contre c'est les sûr, meilleures sorties field, tu les gagnes pas. Mais tous les plans de jeu un peu créatures, tous les plans de jeu un peu midrange, je trouve que ce deck-là, il est vraiment fort contre ça. De toute façon, voilà, si tu veux pas un peu combo, le plan de jeu field, il est très dur à battre. Exactement. Il faut que tu passes au-dessus, et encore, et maintenant, ils vont trop vite. Et tu passes pas au-dessus, donc il faut passer en dessous. Quoi. Voilà, il faut que tu passes en dessous ou que tu ailles plus vite. Mais c'est... Passer en dessous, voilà, aller plus vite, faire Collected Company dans double Steel Leaf Champion, que tu peux pas bloquer. Bref, on continuera à vous faire des petits points sur la méta de l'historique, parce que ça avance, les pros commencent à s'y intéresser. Nous aussi, on joue un petit peu en ladder. Ah, on découvre des decklists. Et en plus, il y a l'invitational qu'on castera sur la chaîne le week-end du 11, 12, 13 septembre. On la vous en chaîne reparlera. Twitch. Sur la chaîne Twitch, évidemment. Lien en description, on vous en reparlera d'ici là. Ça va être dingue ce tournoi. Exact. Je vous le dis direct, ça va être dingo. Quoi. Ça va être une folie. J'espère qu'il y aura des decks genre qu'on n'a même pas imaginé. Ouais, qu'on n'a pas imaginé. Tu sais qu'en ce moment, il y a ce genre de deck, tu vois, avant qu'on le découvre, un mec se ramène avec ça et on fait oh, c'est beau. Mais en ce moment, sur ladder, il y a Fluctuateur Combo qui tourne. J'ai vu. Ça régale. Ça va être fou. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description avec notre chaîne Twitch, comme on l'a dit tout à l'heure, ValPL Magic Arena FR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.